Lucas, tu gères, mon pote. T'as, c'est bon? C'est pour le West Chad. Où? Eh, je peux venir. Je peux venir avec les bikers là, je veux les voir souffrir ces enfoirés. Eh, bah viens avec nous. Viens avec nous. Eh, Lucas, mets avec l'arme de Spi pour la mission, je te la rendrai. Ah, mais tiens, tiens, je peux. Vas-y. Ah, toi, ça me regarde là. T'inquiète, on fait ça, discret. T'as les munitions aussi? Ouais, t'inquiète. Quoi, bah bouge tes locks pendant que je te mets mon bloc dans le froc. Y'a pas la sécurité. Ouais, y'a pas la sécurité. Tiens, mon pote. On va faire une connerie. Oh, c'est le gang des Westside, mon pote, crois-moi que c'est. Merde, je suis les zéro données. Par contre, tu vas me rendre ma casquette. Ouais, je te la rends, c'était un malentendu. Ouais, parce que c'est Westside. C'est Westside. Tiens ta casquette. Ouais, merci. Ouais. Mets la pause, on va aller les baiser ces bikers. Wouhou! Merde! Merde, oh, attends, tiens, fais chier. T'en as pas marre de la GT? D'ailleurs, oui, c'est parce qu'il y a la flotte. Oh, t'as pas des munitions, s'il te plaît? Si, j'en ai. J'ai tout donné, je crois. Oh, attends, attends, je crois que j'ai pas tout utilisé. Attends, viens. Non, tu peux lui redonner. Ouais, je vais lui redonner. T'as donné des balles. Ouais, c'est bon. Oh, B, enlève ton masque pour pas se faire contrôler. Ouais, je vais l'enlever, je vais l'enlever. Attends, je donne juste des munitions. Eh non, mais vous inquiétez pas. Eh, si c'est moi qui. Ouais, Billy, je te souhaite une moitié bonne soirée. Merci de nous divertir. T'es trop BG, trop sexy. Okay. S'il te plaît, moi qui mets une golden OSD. Je vais faire la paix et arranger le truc, mais je veux pas qu'ils viennent à 8 comme ils étaient là. Attends, merci, mon ref. Attends, je vais lui mettre une patate. Tu me donnes un lieu de rendez-vous, je viens tout seul et le mec il vient seul ou à deux maximum. Eh, je t'explique. On s'arrange, j'essaie de m'expliquer. Vous voyez, Amine, il est grave bien fait en SDF parce qu'il a un preset SDF. C'est genre, il a une. Son personnage, il est déjà tout fait. Mais l'inconvénient c'est qu'il est grave bien fait en SDF, mais l'inconvénient c'est carré ou quoi? C'est carré mon ref. Attends, je reviens dans une seconde. Vas-y, vas-y. Et l'inconvénient c'est qu'il a un seul point de vie, comme un vrai SDF, ça veut dire quand tu lui mets une patate, il tombe KO direct. Ça va ou quoi, Maria? Ouais, il va tout tomber. Eh, c'est ça l'inconvénient. Regardez, je vais lui mettre une patate, il va tomber KO direct. Vas-y, j'arrive. Hein? Hey, ok, vas-y, j'arrive. Eh, hey, les gars, si vous voulez, les flics ils m'arrêtent jamais. Donc si vous voulez, je conduis les flics qui m'arrêtent. Non, parce que j'ai mangé une banane ce matin. Ah, autant pour moi. Eh, écoute, là je vais aller au concessionnaire moto, vous allez arriver une minute plus tard, ok? Pendant que je vais m'expliquer, et vous allez me braquer aussi. Venez tous cagouler. Ils seront pas plusieurs, genre? Maria, ouais, elle vient de partir, Maria. T'as qu'un gueule, non? Écoutez, ouais, bah c'est pas grave, si vous avez des couteaux, ça suffit. Eh, donne-moi un couteau, je t'en ai donné deux. Attends, tiens, je te donne, Eli va me donner. J'y vais, je vous dis quand c'est bon. Vas-y, attends, je vais lui donner. Bébé, donne-moi le cran d'arrêt que t'as eu. Ouais, je te donne ça. Attends. Prends la voiture rouge, je prends une voiture 4 places. T'es con ou quoi, pauvre con? Bien vu, tu gères. Eh, il a dit quoi, le clodo, là? Je l'ai pas écouté. Non, c'est bon, t'inquiète. Il a dit, on va une minute après à l'endroit. Ok. Vas-y, on bouge parce que ça nous surveille. Mais là, il y est allé, là? Ouais, il va au ce moto. Montez, on va se réparer. Vas-y, montez. T'as un masque ou pas, toi, des majuscules? Ouais, j'ai un masque. Tu vas pas une arme à se réputer la rigueur. Ah ouais, c'est vrai. Et Sides. Ils sont là. C'est qui ça? Il joue à quoi? Ouais. Et Sides. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, t'as quoi contre les bikers? Avancez. Je fais quoi, Mike? Oh, vous voulez qu'on vous baise ou quoi? Avancez, Zabi. Avancez votre gros cul, bande de cons. Moi, j'ai quoi contre eux? Ces enfoirés, ils ont tapé mon pote. Les refs, on a une pause là, non? Ouais, faut aller. Mais il est derrière. Suhaj, il nous a dit quoi? On l'a rejoint une minute après. Ouais, mais il est où? Ah, il est dans la voiture noire là? Ouais, il est passé, il est où? Là, il est dans la voiture noire, ok. Ouais, dans la voiture noire. C'est la cagoule. Non, pas maintenant, parce qu'il y a la police, ils vont nous contrôler. J'attends juste d'être. Et du coup, en fait, les bikers, je leur ai mis un coup de pied. Ouais, j'ai enculé. Tu m'entends? Pas ou pas? Ouais, là je t'entends, c'est bon. T'es de crier devant eux, c'était les bikers devant vous en voiture et en moto. Ah. Putain. Et là ils ont entendu tout ce que vous avez dit. Mais non, ouais. Mais putain. Non, on avait les fenêtres fermées, ils ont rien entendu, t'inquiète. Ah bah vas-y alors si t'avais les fenêtres fermées. Oh putain. Mais là il se passe quoi là? J'ai pas compris comment ils nous ont trouvés. Eh, on a rien dit devant eux, on a rien dit. J'ai entendu, ton pote il a dit ouais t'y vas et tu nous appelles une minute après, il l'a dit ah oh, je l'ai entendu de loin sa mère. Ouais mais il parlait de ma tante qui est souffrante, mesquina. Ben non, mais non.
Mais non, vu que c'est ça que j'ai. C'est ce que. Mais non. Mais non, mais non. Non, mais non, c'est vrai, on parlait des bikers, c'est vrai. Mais hey, fais le plan quand même, t'inquiète, ils ont rien capté, je pense. Vas-y. Il s'est passé quoi? Eh les refs, préparez-vous. Il leur a dit, t'as quoi contre les bikers? Oh putain. Non, bah c'était une question, une simple question. Je savais pas que c'était les bikers, qu'est-ce qu'ils foutaient là, sérieux? Bah attends, j'avais une moto, t'es bête ou quoi? Ah, il y a plein de bikers. Bah, mais ça, je vais m'acheter une moto tout à l'heure, je serais pas un biker. Hein. Ouais, mais. C'est vrai. Mais si, à partir du moment que t'es sur une moto, t'es un biker. Hein. Mais toi, t'as quoi contre eux? Tu m'as pas dit. Moi, ces enculés, en fait, moi, je suis un ancien agent de police. Ouais. Et en fait, avec 2080, c'est mon collègue, et ben, on leur a cassé les couilles. Et en fait, ils nous ont chopé, ils nous ont cassé la gueule. Et donc, du coup, depuis, et ben, alors, dès qu'on les croise, on leur met des coups de pied à leur moto, comme ça, ils se cassent la gueule. On va continuer ton histoire demain, je pense. Et en fait, après, quand j'avais le cassoulet qui était... Oh, j'ai un point de côté, juste. Je suis essoufflé. Tu peux mettre un peu plus de ponctuation et de dynamisme dans ta lecture? T'avais combien en français à l'école? Vraie question. Avec le cassoulet, et ben, parfois, je vomis si ça remonte trop haut. Bon, chapitre 2 tout à l'heure, d'accord? Yes. Après la pub, mon pote. Elle va te faire reculer, toi. T'es beau, Billy. Dis-nous, ça a dit quoi le corps à corps à l'IBG? Ah, frérot, le corps à corps. Attends. T'as dit quoi, mon ref? Il est arrivé, Sred, ou quoi? Attends, je l'appelle. Voilà, tu le prononces très bien. Eh, on est deux seules personnes à bien le dire, c'est incroyable. Srel. Mais c'est... Srel. Oui. Non, Salhul. Crawl. Salhul. Ouais, bien vu, Léo. C'est vrai. Attends, les gars, rapprochez-vous de la pause, on sait jamais, parce que là, il répond pas, je pense, s'il est en train de leur parler. Ça, c'est leur pause, ça, c'est... Bah, je crois que c'est la pause, hein. Elle vient d'où, cette pause? Je sais même pas. Non, mais il fallait le truc des bikers, là, où on voit les motos. Bah vas-y, mettez une pause, c'est on bon y va. Bien. Enlevez vos masques. Non, faut les mettre là justement, je crois. Ouais, là commence à les mettre. Non, mais on passe une fois sans masque pour voir s'il est là-bas. Et on fait le tour pour voir s'il est là. Genre. Parce que si on est masqué directement quand on va voir, bah ils vont... Que personne ne bouge. C'est un hold-up. Ah ouais, ça me rappelle la vidéo des gens attends, qui essaient d'apprendre à parler rebeu en classe là. Dra. Dites-leur cuir moustache d'ailleurs, ils sont pas contents quand on dit ça. Alors j'ai quoi? Cuir moustache. Ah il est cuir là. Moustache. Attends, il est où? À gauche. On va les kidnapper ou pas? Vas-y, arrête-toi, freine. Non mais là t'es trop loin, repasse devant eux, freine un peu, je descends, on tire quelques bastos. Non, moi je vais prendre un coup de coude, je vais leur mettre vas-y, un vas-y, là on les prend maintenant. T'es en paix, vous allez pas recommencer. On va rien te faire, monte dans la voiture, c'est tout. Bordel. Eh, il se passe quoi? Quoi? Putain, j'ai totalement... Bouge pas. Yo, c'est quoi ce bordel là? Vas-y, fais quelqu'un. Vas-y, course. Vise. Vite. Putain, je me suis trompé. Touche, putain. Bon, allume, ça y est. Ah, je me suis trompé, touche, sa mère. Regarde là, la meuf en crosse. Mais, eh, ils sont partis tout devant, tout droit devant, vous allez où? Ici, derrière. Devant, va tout droit et cartonne là, frère. Cartonne les eux, là. T'es ouf. Attends, je peux leur tirer dans les roues ou pas? Regarde, on va aller devant lui. Arrêtez-vous. Arrête-toi. Vas-y, va à leur hauteur. Putain, quand je suis descendu, au lieu de dégainer vite mon arme, je me suis trompé de bouton. Mais à H-point. Non, mais c'est eux, ils ont mis le coup d'accélération. Là, lui. Eh, mon pote, monte dans la voiture. Ouais, on braque. Ouais, bien, monte dans le coffre. Monte dans le coffre, cousin. Donne-moi ton téléphone. On prend ton téléphone, ta radio, on prend tout ton arme, on prend tout. T'as plus rien sur toi, monte dans le coffre. Monte. Petit fils de pute. Allez. Dépêche ta grand-mère, on est en train de rater là. Attends, pire, moi je monte et toi tu montes dans le coffre, elle est fermée. Vas-y, monte. Quel gros con, regarde. Prends les tout. Ouais, j'ai tout donné, Et puis, ils sont où maintenant? Okay, ils sont les autres. Eh, écoute, tu vas nous dire, ils sont partis où? T'étais en train de les suivre, tu savais très bien où t'allais. Ils vont où? Donne-nous la putain de fréquence radio là, tout de suite. 745. Okay. Vous avez entendu. Putain, comment j'active la radio déjà? J'ai oublié comment j'active la radio. Je regarde chez le cristal, les frères. Cristal, je sais pas c'est où. C'est où le cristal? Moi je connais que le Crystal Place. F.
C'est où le cristal? Non, j'avais oublié, putain. C'est son appart. Je suis désolé, la famille. Et tu peux mettre un point sur le GPS devant, là, s'il te plaît. Fils de pute, qui m'a dit F? Putain. Et si tu bouges trop, je te jure, je te mets un coup de couteau dans le dos. Tranquille, tranquille, je bouge pas. F8 ou F2? Non, c'est pas... Les frères, ils vont à Yellow Jack et ils ont des guns. C'est pas F8. Mais vas-y, bah venons le garder, non? Non, F2, ça fait rien. Putain, j'ai oublié. Tranquille, c'est quoi l'histoire? C'est eux. Ah, ma gueule, vous êtes attaqué aux mauvaises personnes, frère. Hey, écoute, on est le gang. Non, on va pas dire on est quel gang. On va vous baiser votre mère. On est east side. Tranquille, les gars, tranquille. Y'a pas tranquille, poteau, ils sont partis où? Y'a la peau, c'est bon? Ouais, j'ai la peau, c'est la peau. Vas-y, emmène-nous. Ils sont armés, hein, il a dit. Ils sont armés, ils sont. Ouais, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Peut-être c'est. T'es armé ou t'es. Non, moi j'ai rien. T'es sûr? E plus mage. Normalement, c'est E plus mage, mais ça marche pas. Je suis dans le coffre, parce qu'on. Non mais pas toi. Attends, après. La porte de cristal, les frères. Ils sont deux. Ok, radio. Ah mais là, ils sont... t'as dit c'était quoi la fréquence déjà? 745. Ah, y'a une meuf à bourre. M'attendez, radio? Vas-y, bonjour, bro. Eh mon pote, là tu t'attaques au east side. Oh, east side, mon pote. Eh, ils ont rien dit à la radio pour l'instant, on est d'accord? Si, ils ont dit qu'ils aillent, ils vont à la maison de cristal et qui est armé, genre. Il y a un mec qui a un gun. Ok. Mais il est pas encore arrivé à la maison, c'est-à-dire si on y va, on peut. T'as capté? Ok. Ouais. Bon, écoute, masque tout noir avec des lunettes cheloues. Ouais. Tu sors, tu braques. Okay. C'est simple, c'est simple. Tu perds pas de temps. Hein. Tu vas, on récupère, on part. C'est bon. Oh, ils sont plusieurs. Vas-y. Attends, prêt, maintenant. Sors ton gun, sors. Ils sont où? Garde-le lui. Bouge pas. Ok, je garde. Eh, bouge pas, poteau. Les mains en l'air. Suis-nous. Les mains en l'air. On te prend tout. Mais on te prend toutes les armes. Suis-nous. Lâche. Eh, on a deux otages. Ah, vous voulez pas, on bute deux de vos gars, restez tranquille, recule. Vous me rendez mon gars, d'accord? Recule. Eh, écoute. On va baiser deux de vos gars. Rendez-nous notre gars et on se casse, tout simplement. Écoute, ça va être simple. Tu veux récupérer le SDF, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, alors je vais te demander de faire avancer d'un pas, mon gars, d'accord? Recule. Écoute, on est tous armés ici. Tout est tranquille, tout est tranquille. On a tes potes. Il est où? Okay. Faites avancer, mon gars, faites avancer, mon gars. Je te cache pas que celui qui a son pull, je m'en bats les couilles, je le connais pas, d'accord? Faites avancer, mon gars. Ok. Ramène le SDF, sinon je le plante. Ouais, juste avant. Non, d'abord juste avant, j'aimerais préciser quelque chose, d'accord? Écoutez que ma voix, d'accord? Okay, j'aimerais préciser quelque chose. Vous voulez récupérer votre collègue, on est bien d'accord? Ouais, on a l'air bien d'accord. On veut juste parler, donc je propose qu'on range tous nos armes, d'accord? Ok. Comment ça, vous voulez juste parler? On passe ça à 3, on n'est pas là pour se braquer, d'accord? Il se passe quoi? Dis-nous, il se passe quoi, clairement? Regardez, actuellement, on a plus d'armes autour de vous, on ne compte pas vous faire de mal, d'accord? Eh, on s'en bat les couilles, on est prêt à laisser notre peau, on est instable mentalement. On n'a rien à perdre. Vous ne sortez pas en confiance, d'accord, je peux comprendre, alors il n'y a pas d'embrouille. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais faire avancer votre collègue en délicatesse, mais moi, je veux que vous fassiez avancer celui qui a un cuir. Vas-y, il n'y a pas de souci. Moi, je te propose un truc, c'est que tu baisses. Dis-moi ce que tu me proposes. Tu baisses déjà. Regarde. Dis à ton pote là-bas de te rejoindre là. Parce que là, vous êtes. Eh, hey, je veux voir le clodo. Ramène le clodo, je veux le voir. Rien. Attends, tu veux que je me rejoigne nous, moi? Ouais. Non, mais ne croyez pas qu'on est là pour vous niquer, les gars. Je veux voir le clodo. Moi, de base, je veux juste des explications. Je veux voir le clodo. Vous kidnappez un membre. On n'a pas kidnappé votre gars. On veut juste lui parler, c'est tout. On est en train de lui parler, on lui dit. Eh, ramène-le, je veux le voir de mes yeux. Je veux voir qu'il va bien, sinon je vais devenir fou, je vais péter un peu. Silence radio. Les gars, soyez calmes, d'accord? Ah, vous m'entendez là? Je vais péter un plomb, ramène notre gars. Bon, c'est simple, on va juste parler à votre gars, c'est tout. On va juste parler, d'accord? Parlez lui devant nous, tout simplement. Vous attaquez au east side. C'est quoi le east side? Non, les coups pas. Mais vas-y, c'est des clowns, ils sont tous masqués, la masse vient. Non, je calme, Billy, calme. Comme à l'ancienne, putain. On n'est plus en 2016. D'accord, on se calme. Écoutez les gars, regardez, je vais baisser mon arme. Moi c'est Mads.
d'accord? Président du Lost MC. Ok. Comment je crie, les gars? Comment je crie? Histoire que je puisse appeler quelqu'un. Regarde, j'ai baissé. Comment je crie, les gars? Preuve de loyauté. Parce que là, je suis en mode parler, là. D'accord? On est parti juste sur de mauvais termes. Range ton arme dans ton holster. Dans mon quoi? D'accord, regarde, si tu veux que je range mon arme, je range mon arme. T'as vu, y'a pas de problème. Juste mes gars vont la garder dans les mains précieusement, tu vois. Hassan, il est où? Il est où? Ramène-le, ramène-le. Enculé, ouais. Il est où? Je suis instable mentalement, ramène-le. C'est pas une embrouille, Voilà, est-ce que vous pouvez ranger votre arme? Je vais péter un plomb, ramène-le, je veux le voir de mes yeux. Écoute, communiquer. Je pète un plomb, je veux le voir de mes yeux, ramène-le. Calme-toi, calme-toi, tu vas réveiller nos frères, là. Tu vas réveiller nos frères. Ramène-le, ici, parlez-lui, ici, devant nous. On veut voir le SDF. Vous voulez voir le SDF? On veut voir qui va bien, on voit. S'il vous plaît, parlez dans le calme. Attends, Matt. Tiens pour eux là. Matt. Ouais, bah pose ta question. Pourquoi vous avez planté Jeff? Pourquoi vous avez planté un de nos gars? Voilà, c'est ça la question. C'est ça qu'on voulait savoir. Qui a planté? Il est pas planté, il est tombé dans les pommes. Ah non, non, non. Votre gars nous dit clairement qu'un de vous l'a planté. Eh, je vais péter un plomb. Ramenez le SDF. On va ramener votre SDF. Ça fait 15 minutes que tu me dis ça, je commence à devenir fou. J'ai rien à faire. Il est tombé dans les pommes, il est pas si bien fait planter. Je vais te le ramener, d'accord? Regarde, il est là-bas, il va très bien. Il n'y a aucun mal qui lui a été fait maintenant. Regarde, si tu veux récupérer ton collègue, tu me ramènes mon collègue avec son cuir. Écoute, fais-le avancer, on les fait avancer d'un pas. On monte dans notre voiture gentiment. Allez, dites-leur que j'ai rien à voir avec vous, putain. Eh, on ne connaît pas. Tu veux faire quoi? On va faire quoi? C'est que moi, je récupère son cuir. Quoi? Ouais, je récupère son cuir. Alors là, ça va pas être possible. Par contre, on parle pas du cuir. Je suis désolé de vous dire ça. On parle pas du cuir. Tu parles de ce que tu veux. Ça va pas être possible, les gars. Eh, soit non, vous le rendez, on vous le rend, vous cassez, on oublie. Eh, écoutez. On oublie cette histoire juste après. Mais écoutez. On est dans une position. Ouais, c'est ça, Johnny. Quoi? Voilà, Johnny. Écrase-le, Johnny. Calme. Eh, écoutez, on est dans. Regardez, c'est quoi? C'est quoi le I7, les gars? Eh, l'écoute pas. Eh, toi, écoute-moi que moi. L'écoute pas, ce trou de balle. C'est moi qui dirige ici. Avec ton banana vert. Non, c'est moi avec le masque Splinter Cell, là. D'accord, ok. Eh, tu nous donnes le clodo. On monte dans la voiture. On prend le cuir avec nous. Le cuir, on le dépose 100 mètres plus loin. Vous le récupérez. Pas de cuir, d'accord? Eh, on prend pas le cuir d'un biker. Non, on prend le cuir. On prend le gars, je veux dire. On prend le cuir si je parle de lui. On prend le gars, on le dépose 100 mètres plus loin et vous le récupérez. Fin d'histoire. Écoutez, les gars, vous lisez, d'accord? Il y a pas d'embrouille. Je vais juste raccrocher mon téléphone. Eh, vous mettez tous des cuirs comme ça. Il y a pas d'embrouille. Les gars, écoutez-moi. Dis-moi. On ne retire pas les cuirs d'un biker. Je peux pas laisser mon gars partir. Je pense que vous pouvez le comprendre. Maintenant, on est parti sur de mauvais pieds. On est parti sur de mauvais pieds pour des faits bêtes, d'accord? Pour des faits bêtes, parce qu'il y a eu un quiproquo dans l'histoire. Donc maintenant, si vous voulez retirer le cœur de mon gars, les gars, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Hein. Écoute, regarde, je baisse mon arme. Viens, on va parler toi et moi, s'il te plaît. On va parler toi et moi, si tu le souhaites. Il a l'air bien, Non, tu vas pas tout seul avec lui, il a une arme, tu vas pas tout seul avec lui. J'ai une arme aussi, t'inquiète. Fais baisser son arme. Bien. Regarde, t'as vu, tu me connais pas, j'ai bien aimé ta baisse mentalité. Baisse ton arme. T'es réglo, t'essaies de calmer les trucs. Tu parles à qui, toi? Voilà. Tu parles à moi? Les gars, calmez-vous, dites-leur qu'on est en train de parler ensemble. Calmez-vous, les gars. Vas-y, dites-moi. Ok, je te disais... Moi, je suis réglo, je te le dis d'avance. T'es réglo, t'as essayé de calmer le truc, tu voulais vraiment récupérer ton gars, nous on veut récupérer notre gars, c'est carré. Maintenant, je veux savoir... Quel a été le quiproquo? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, nous on a eu un call comme quoi vous avez planté un de nos frères dans le concessionnaire. Donc on a débarqué. On a vu lui tout d'abord, on l'a interrogé, il nous a dit que c'était quelqu'un en Marcel Blanc qui l'a fait. Okay. Je suppose pas que ce soit toi, d'accord? Moi y a pas d'embrouille, c'est Cocktail Mocave, c'est Sandy Shore. Y a pas d'embrouille. Okay. Ce que je veux juste, c'est récupérer mon gars, d'accord? Le reste là, le petit con là qui... Les mecs ils se foutent de notre clairement dans le gueule là. Calme-toi. C'est un trou de balle, faut pas l'écouter. Écoute-moi, seulement moi. Écoute, ouais. J'étais dans les parages au Concess Moto quand ça s'est passé. Matt, tu m'entends? Celui en Marcel Blanc, celui qui a fait ça, c'est un Vagos. Je le connais très bien. C'est un Vagos. Il s'appelle Vertugo. Écoute, c'est pour ça que je voulais venir te parler. Parce que je pense qu'on peut s'allier. On a tous les deux indifférents avec cette personne-là. Cette personne-là m'a volé des pochons de drogue. Il m'a volé une cargaison de 100 000 dollars. Tu déconnes. De quoi? T'as volé des pochons de drogue. Il m'a volé tout ce que j'avais sur moi, il m'a tout volé. Mais c'est pour ça que on peut s'allier contre les Vagos. Tu me promets que c'est un Vagos du coup? Ouais, je l'ai vu de mes yeux. T'as qu'une parole, tu peux me retirer ton masque et me dire ça. J'ai qu'une parole, je retire mon masque, je te dis ça.
Cocktail Mocha, je te fais confiance. J'ai comment tu t'appelles? Moi, c'est B majuscule, on m'appelle comme ça dans la street. B, ok, B. Moi, c'est Mads, président des Lost, d'accord? Ok, Mads, enchanté. C'est Cocktail Mocha, d'accord? Tu nous rends notre gars, je te rends ton gars. Par contre, je prends ton téléphone avant pour qu'on puisse parler après, ok? Ok, attends, je te passe. On est pas un vrai plan. Mon num, c'est 3493. 3493. Ouais, tu mets B majuscule et c'est carré. Écoute, moi je pense qu'il faut qu'on agisse juste après. Faut qu'on batte le fer tant qu'il est encore chaud, comme on dit vers chez nous. Et ouais. Nous, écoute, on est plus d'hommes que ça, on est plus de main d'œuvre que ça. On est prêt à faire un all-in, à mettre le tout pour le tout, à tous venir tous ensemble. Vous venez tous ensemble, on pète vers Togo, on l'emmène, on séquestre, on fait quelque chose. Je te propose qu'on en parle du plan juste après que les tensions soient calmées, ok? C'est calme, regarde, je vais aller dire à mes troupes qui lâchent ton gars, vous nous rendez notre gars, et c'est calme. Nickel. On a un même but, on a un ennemi commun. Non, moi je suis pas d'accord de laisser passer ça tout de suite là. Si, Billy, laisse passer ça. Non, je suis pas d'accord. Billy, calme. Non, je suis pas d'accord, non. Il a pas planté Jeff comme ça, il est même pas avec nous. Calme. Ton gars, il s'est fait planter. Ton gars, il s'est fait planter sans raison par Vertugo. On a tous les deux indifférents avec lui, on va s'unir pour le baiser sa mère. Ouais, c'est qui? Voilà, on a trouvé un terrain d'arrangement. On a trouvé. Let's go, d'accord. On a fait peur aux habitants. Lève-toi, t'inquiète, lève-toi. Retourne voir tes gars, c'est un énorme quiproquo, on est désolé pour tout ce qui vient de se passer. Nous, nickel. Par contre, je tenais à vous dire. Ramenez-leur leurs gars, s'il vous plaît. C'est la dernière fois que vous venez nous chier dessus sur Sandy Shore, d'accord? Écoute, le c'est un quiproquo. Écoute, vous vous défendez, on se défend. On a tous les deux beaucoup d'estime pour nous-mêmes. C'est carré, un balle au centre. Okay. Ça joue. Vous voulez Clodo là? Je t'envoie une pause juste après, Bi, ok? On parle d'un plan. On vient, on viendra tous, et t'inquiète, y'a pas de. On vous brave. Wow, wow. La bécane, par contre, faut pas toucher à ça. Excuse-moi, c'est un Clodo, il a pas de moyens. C'est bon, les gars, c'est bon. C'est calme. Tranquille, y'a pas d'embrouille. Je voulais lui crever les pneus. A tout à l'heure, Mads. A tout à l'heure, ouais. C'est la voiture de papier qu'il a pris là? Bon, les gars, venez, on se réunit. Bon, c'est calme, venez, on part. Venez, suivez ça. T'es au courant que là, s'il nous envoie une pause, c'est pour nous baiser. Ouf, hein. Non, t'inquiète pas, j'ai tout réglé avec lui. Non, vraiment, c'est pour nous baiser. Non, je pense pas. Écoutez-moi, les refs. Attends, y'a qui dans la voiture? Montez tous là, prenez tous un vélo. Y'a Yeside ou je sais pas quoi là. Putain, Yeside, je sais pas si je peux parler pour toi. Écoute, tu vas être avec nous ce soir parce que, bref, si t'essayes de faire un truc bizarre, on te baise parce que vraiment c'est bon. J'étais pas chez mon flingue. Surtout toi, crois pas que je suis con. Je sais que c'est eux, on va les baiser. C'est quoi là? Non, écoute, on va parler, attends, juste coupe la radio, attends, je vous explique tout ça. Mais c'est qui Vertugo? C'est le. Ah, tu veux la faire comme en 2014? Ah, comme en 1984. Tu parles sur la radio, je l'écoute juste. Ok, ça me va. Ah oui, j'ai pas changé, j'ai oublié son truc. Ils ont pas encore changé la fréquence. S'il la change, c'est inadmissible. Je sais pas. Attends, on peut savoir ce qu'ils tentent de faire. Écoutez, tout à l'heure, j'ai planté un l'orga sans raison. Vous m'entendez, les gars? Écoutez, attends, écoute, ils sont en train, ils prennent tous leur gun, frère. Ils vont nous baiser. Il nous faut 4 guns, Mike va prendre son gun. Mike va prendre son gun. Il est devant moi, le Clodo. Ouais, 4 guns. Et ils ont ce HUD. Quoi? Ils l'ont chopé? Les gars, devant eux. Donc ils ont un business à nous proposer. Une alliance. Je trouve ça plutôt intéressant, d'accord? Je pense qu'on peut personnellement leur faire confiance. Ils sont partis dans leur gueule. C'est très bien. J'ai parlé avec leur chef, il est réglo. Il s'appelle B, majuscule B. Ok? C'est un gars Cocktail Mocha, y a pas d'embrouille. On va en parler au Yellow Jack, on leur enverra une position. Attends, ça je t'appelle. Écoutez les refs, le mec qui a planté un de leurs gars, c'était moi, ok? C'était moi, c'était au Concess Moto, je l'ai fait sans raison. Voilà, ok? Vous m'avez entendu sur ça? Les refs, vous m'entendez? Les refs? Non, je bug. Calvin? Les refs, vous m'entendez les refs? Ouais. Ok. Tout à l'heure j'ai planté un de leurs gars, ok? C'était moi le gars en Marcel. J'ai feinté, j'ai dit que c'était Vertugo des Ballas qu'il a fait, ok? Vertugo des... C'est bon. Ah, oh, c'est quoi déjà leur gang? Putain, j'ai oublié. Oh, ils vont nous baiser, mec. Je sais, attends, faut qu'on parle. Ouais, les Vagos, pardon. J'ai dit que c'était Vertugo des Vagos qui avait fait. Maintenant, j'ai pas tout écouté à la radio. J'ai entendu Matt qui disait leur chef allait réglo. On a un arrangement, non, on a un élément commun. Suivez, d'accord, on va y aller. Vous me suivez. Tu m'entends ou pas, B? Je t'entends. Attendez que tout le monde était. Écoute, hein, ils étaient tous ensemble. Suivez, les gars, on va y aller, Jack, on va se barrer une bière. Et genre, il parlait radio. Quand il t'a dit que t'étais réglo, il sait qu'on a la radio, il veut juste nous baiser, frère. Il sait très bien qu'on a la radio. Il a dit ça. C'est un risque à prendre. Maintenant, moi, je peux jouer ça d'une autre façon.
en allant voir les Vagos. Tout simplement, il y aura les Vagos en rendez-vous, on va voir qui va baiser. Soit on baise les Vagos avec les backers, on est gagnant. Soit les backers voulaient nous la mettre, on les baise avec les Vagos et on c'est win-win dans tous les cas. Ok, vas-y. C'est bon pour toi ou pas? Ok, je rappelle ça. Attends. Vas-y, appelle-le. On va vers le quartier des Vagos. Une masterclass est en cours. Ouais, ça. Ouais, tu te donnes une pause, tu veux me chercher? Ok. Un point sur GPS. Vas-y, je t'envoie la pause. Vas-y. Eh, hey, les refs, on va avoir une pause. Zabi, c'est quoi ça? Il y a déjà vu chez moi ou je rêve? Wesh, j'ai jamais vu ça. Eh, hey, venez, on va à la pause. Attends, venez, on va à la pause. Vas-y. Il est là, dans le coffre. Moi, dans le coffre. Vas-y. Putain. Attends, il y a une place à l'arrière, non? Non. Le coffre. Tu veux que je te porte, Srasra? C'est qui le mec devant là? Tu peux pas. Eh, Pourquoi vous dites au yellow si c'est qui les deux mecs devant? Inside, va dans le coffre. Putain, j'ai une sciatique, enfoiré. Ouais, mais c'est par ordre d'ancienneté dans le gang. Bah ouais, moi je peux pas aller dans le coffre, bordel. T'as eu mon corps, je suis rempli de caca. Ah ouais, c'est vrai. Eh, ça, il s'est passé quoi? Explique-nous, bordel. Mais je suis venu, ils m'ont pris direct. Écoute. Tout ça, c'est parce que t'as planté quelqu'un, mais pourquoi tu l'as planté? Je sais, mais écoute. L'histoire est en marche, quelque chose de très grand va t'arriver. J'ai parlé à leur chef, les Mads. Je leur ai dit que celui qui les avait plantés en Marseille, c'était pas moi. Enfin, ils ont pas de doute sur moi, ils savent pas que c'est qui. Je leur ai dit que c'était Vertugo qui avait fait ça, ok? Et je leur ai dit, Vertugo, j'ai un litige moi aussi avec lui. On peut s'allier pour baiser les Vagos, tout simplement. Il était grave chaud. Il va nous donner rendez-vous pour qu'on planifie tout ça. Arrêtez quand vous organisez des trucs comme ça de dire ça au nom des SDF, faut pas le dire. Le mot SDF est jamais sorti, il pense qu'on est le gang des Isai. Il m'a demandé, les SDF, il m'a dit ça. Non, c'est faux, on a jamais parlé des SDF. Attends, Vertugo il m'appelle, attends deux secondes. C'est le Isai, mon pote. Vertugo? Ta gueule, ton Isai. Vertugo, tu vois l'argent que je te devais? Ouais. Il s'est passé une dinguerie, il y a un biker qui m'a braqué, le chef des bikers, il s'appelle Mads. Il m'a braqué, et quand je lui ai dit, c'est quoi tes relations avec lui? J'ai aucune relation avec personne. Ok, parce que quand je lui ai dit que l'argent était pour toi, et en gros il m'a dit petite salope, je te rendrai jamais les sous, les Vagos, bref, on leur pisse à l'arrêt, on leur pisse dans le crâne, on les baise, bref. En parlant de moi? En parlant de toi. Et regarde, pour te prouver que ce que je dis est vrai, j'ai rendez-vous avec eux là maintenant. Viens en tant que SDF, tu vas juste faire une petite tenue SDF, tu viens avec nous, et tu verras comment il va parler des Vagos pour les fumer. Oh franchement, oh pour une fois, oh, la vie de ma mère, t'es une bonne idée. Laisse-moi juste une petite demi-heure, là je suis occupé, après on y va. Une demi-heure? Ouais, mais parce que je suis occupé, là je suis en pleine mission là. 15 minutes, c'est bon? Quoi? Ouais, 15 minutes, ouais, normalement. Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait pour venir dans une demi-heure? Mais franchement, mais bonne idée ta grand-mère là. Vas-y, dépêche-moi. Oui, ma grand-mère la pute. À tout à l'heure, Vertugo. À tout à l'heure. J'ai une pute, vraiment? Ouf, ok les refs, écoutez. Pourquoi tu veux qu'ils s'embrouillent? C'est quoi l'intérêt? Écoute, moi je dois de l'argent vers Vertugo. J'ai planté le mec des bikers. Je vais faire en sorte que les deux s'entretuent. Comme ça, je dois ni d'argent à Vertugo. Et un des deux gangs va disparaître, tout simplement. Il y aura des blessés, c'est nickel. Mais il y aura jamais de gang qui va disparaître, jamais de la vie. Ça va juste créer des embrouilles, mais ça profitera à qui? C'est parfait, c'est parfait, parce que nous, on pourra sisser dans l'eau, parce qu'on aura, on aura aucun litige avec les gens. Et justement, on aura des bonnes relations et avec les bikers et avec les Vagos, qui eux se détesteront. C'est sûr, mais là, en fait, t'es juste en train de rattraper l'argent que tu dois aux Vagos, c'est tout. Oui, aussi. Fils de pute. Mais ça, c'est un détail, ça, c'est un détail. Non, c'est un détail. Vraiment, c'est écrit en astérix tout en bas, c'est rien. Mais pour vous dire qu'en gros, là, le plan, c'est que Vertugo va venir avec nous en SDF. Il va aller se faire une petite tenue crade. On va aller au rendez-vous avec les bikers. Et les bikers, on va faire en sorte qu'ils parlent grave mal des Vagos, qu'ils veuillent les fumer. Et ça va être... comme ça, Vertugo, il aura la preuve formelle qu'il faut fumer les bikers, ça fait. Tu sais, faut faire quoi avant? Mais il te donne quoi en échange? Comment ça, il me donne quoi en échange? Il te donne quoi en échange, Vertugo, pour tout ça, là? T'inquiète, ça va être un très bon débouché pour nous pour la suite, t'inquiète pas. T'es sûr? Là, Vertugo, il était enchanté, il m'a dit très bonne idée, ta grand-mère, la pute. Bah, c'est normal, t'es sa chier, non? Oui, c'est vrai. Ouais, merci. Sors-nous des trucs, le concierge. Ouais, sans nous fusée éclairante, on a besoin de faire de la fumée, des fumigènes, tout ça. Je vais voir. Vas-y, ouais, gros, vas-y. Mais c'est qui ce concierge qui donne tout? Écoute, frère, c'est un petit fils d'up. Et voilà. Et comment ça? On va le gratter, frère, quand il a plus rien, on le tège.
Non mais il est généreux, vous pouvez pas le tèche comme ça. Écoutez, dans 15 minutes les refs, il faut qu'on soit préparés parce que le rendez-vous, il se peut qu'il se passe mal. Mais si... Ouais, moi j'ai une idée. Ouais. Avant d'aller voir les bikers, viens s'habiller en jaune et on fait un coup de crasse à un biker. On le tabasse et comme ça, au rendez-vous, il aura vraiment la haine des Vagos. Il faut qu'on fasse un truc comme ça. Le temps que Vertugo se prépare parce qu'il est là dans 15 minutes. Au nom de qui ? Au nom des Vagos parce que... En fait, je vous explique. Là, Vertugo va venir au rendez-vous. Au rendez-vous, on va parler de ce qu'a fait Vertugo alors qu'il ne l'a pas fait. Il va dire, ouais, Vertugo, il a planté un de mes gars, faut qu'on l'encule. Et Vertugo, après le rendez-vous, tout ce qu'il va dire, c'est, ouais, c'est quoi cette histoire de j'ai planté un gars, qu'est-ce qui se passe ? Et même, le Mads... Mais comment vous allez vous faire passer pour des Vagos ? Mads, il se peut qu'ils disent, ouais, Billy, Bulbaba, c'est toi qui m'a dit ça, justement. Et ça peut me mettre dans la merde. Il faut qu'on fasse monter la sauce, qu'on fasse monter la haine contre les Vagos. Ouais, c'est ça, on s'habille en jaune. Venez. Et quand les baises, on fait sur la Santa Maria, Santa Maria. On les voilà, comme ça, pendant le rendez-vous, ils vont pas parler du coup de chlasse, ils vont juste parler de l'altercation. Et tout va bien se passer. Aïe ! Aïe. Vas-y. Très bonne idée, Lucan. Très bonne idée. Attends, on va mettre ton casque, Calme. Attends, bonjour. Ah ouais, mon pote. Ça va quoi ? Bah, ça va et toi ? Ouais, hey, t'aurais pas vu un biker par ici ? Un biker ? Ouais. Non, j'ai vu personne, mine. J'ai rendez-vous avec un pote, un biker. Ouais. Mais je lui ai donné que mon numéro. Il m'a jamais rappelé ou envoyé le message. Ça veut dire que j'arrive pas à le joindre alors qu'on a rendez-vous là. Ah bah, tu t'es peut-être trompé le numéro quand tu l'as donné. Non, je lui ai vraiment donné mon numéro. Mais est-ce que tu peux appeler un biker et lui dire... Tu veux que je te donne son numéro ? Ouais, non, mais juste lui dire de venir au Concess Moto carrément. Tu dis, ouais, j'y suis quoi. Je leur dis qu'il y a des man qui veulent les voir, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Ok, man. Ouais, c'est ça, il y aura des potas. Et tu dis, non, mais c'est que... en fait, c'est que pour Mads. Non, mais je parle à lui. Claro. Ah, okay. C'est que pour Mads. Moi, j'appelle le patron du Concess, j'ai dit. Vas-y, pour Mads, le chef des bikers. Ok, man. Et je lui dis que c'est qui ? Oh, t'inquiète, il sait avec qui il a rendez-vous. Hein. Ouais, ok. Ouais, Billy ? Ça va, poupée ? Pardon, tu m'appelles comment là ? Oh, Thaïs, c'est toi ? Poupée. Et non, ça va pas trop, je suis très énervée là. Pourquoi ? Il se passe quoi ? Parce que j'ai payé cette moto 43 000 $ alors qu'elle en vaut 36 000. Comment il t'a baisé, je suis mort. Mais elle pue sa grand-mère en plus. C'est pour ça que je vais prendre la Shih Tzu vu qu'elle vaut 43 000 $. Regarde ce que je fais ta moto. Ah merde, je voulais l'exploser, j'ai pas réussi. Quoi ? Non mais t'es malade toi. Ah non mais qu'est-ce que... Vous êtes en train de faire quoi là, monsieur ? Bah... Ah t'es bien de ouf. Ok les potes. Je rigole. Mais Sartre, tu t'es fait baiser. Ils arrivent ? Attends, mais toi tu travailles ici toi ? Ouais, ils vont venir, ouais. Ouais, c'est moi, attends, je travaille ici, ouais. Attends, viens, je te parle, toi là. Attends, les refs, on fait quoi ? Refé, viens, je te parle. Ok. Je reviens, baby girl. Allez, viens. Ouais. Lui, il travaille ici. Ça va être ma gueule. Hein ? Parce que les autres, ils vont venir à plusieurs. Viens, ça va être lui, on se barre. Il travaille ici, de toute façon. Mais qui ça, lui ? Le mec, lui, là. On lui dit, Zarma fait passer le message aux bikers. Vas-y, on lui dit, viva. Viva. Vas-y. Il va les vagos, c'est des putains, man. Écoute, si tu veux pas qu'on baisse ta mère, la pute, c'est des putains, claro. J'en fais, man. Cabron, dis aux bikers qu'on n'a pas le temps et que si on les attrape, on les baisse, signé les vagos. T'as compris, héros des putains, madre. Tu vas faire passer le message ou pas ? Okay. Réponds, je deviens fou. Ok. Vite, on taille. Éclaté. C'est quoi ton accent, wesh? C'est la rêve. T'as vu des munitions, ça coûte cher, mon pote. Ah merde, tu cours. Il me reste combien? Faut que tu les cotises. Oh, ouais. Ils ont activé la France. Vas-y. Si. Arrêtez de parler, radio, vite fait. Allo, Bulbizarre. Allo, tu m'entends? Ouais. C'est Bulbaba, pas Bulbizarre. Oh, le bizarre, dis-moi. Oui. Alors, c'est comment ? Il s'appelle Bulbaba. Je suis un peu occupé là. Mais ah ouais, tu fais quoi ta soirée sans inscription ? Il y a quelqu'un qui vient de m'appeler en plus du concessionnaire moto. Il m'a dit qu'il vient de se faire braquer par des wagons. Et il t'a appelé ?
Ouais, quelqu'un qui était sur place, il m'a dit, c'est toi qui est là-bas? Je lui ai dit non, il m'a dit, bah, y a des vagos qui viennent de braquer. C'est bizarre cette histoire. Si écoute-moi, si t'as l'information, je te la paye très cher. Il a une tête de mec. Bah écoute, j'étais pas du tout pour le coup. Non, mais si t'as une information, si t'arrives à avoir une information, je peux te payer cher. Mais c'est tes gars qui l'ont fait, non? Non, mais je suis avec mes gars là, et je suis pas du tout, je suis dans le nord. Ok, ok. Ah, t'es dans le nord avec les bikers qui, c'est... Pas du tout. Je suis en train de gérer un truc. Il y a des gens qui se font passer pour moi, essaie de m'avoir l'info, ok? Ok, ok. Et je te paye cher. Ok, ça marche, claro. Vas-y.